Une petite révolution de plus en cours sur vos tables pour l'avenir. Le monde voit les produits véganes exploser, mais la France est-elle plus réticente que les autres? Il y a un produit, en tout cas, qui entame une bascule audacieuse. Le fromage végétal prend son envol et ce sont les plus jeunes qui sont la première cible de ce marché émergent. Reportage Catherine Rougerie avec Samuel Guibon. Leur nombre exact, difficile à dire. Une certitude, la France est le pays du fromage, avec depuis peu un nouveau venu. Il n'a pas la personnalité ni d'un chef, ni d'un camembert, ni d'une fourme, ni d'un cantal. C'est quand même bon. Oui, c'est plus crémeux, je dirais, que du camembert. Je sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Après les steaks sans viande, les nuggets sans poulet, voici les fromages sans lait. Nommés parfois fromage ou vromage, car seuls les produits laitiers peuvent s'appeler fromage. Un marché émergent et en plein développement, plus 11% en France, plus 26% aux États-Unis. Dans l'atelier de cette start-up, pas une seule goutte de lait pour obtenir cette pâte à tartiner. On a du soja bio et français, et de la noix de cajou bio et équitable. C'est vraiment deux ingrédients de base auxquels on ajoute uniquement de l'eau, du sel et des ferments pour faire notre pâte avant fermentation. Les spécialités à croûte fleurie, elles, sont obtenues après affinage, exactement comme pour un camembert ou un brie. Regardez, les deux faces sont légèrement différentes. C'est normal, la moisissure, le calcium blanc, il est bien développé sur le haut, mais pas sur le bas. On va le retourner aujourd'hui, certainement, celui-là, et lundi, il sera parfait. Les deux faces seront homogènes. Pour ce fromager, le végétal, c'est l'avenir. Vous pensez qu'il y a d'autres recettes à inventer? Oh là, il y a tout à inventer, c'est que le début. Un début, car aujourd'hui, un foyer sur deux se dit flexitarien. En clair, réduit ou limite sa consommation de protéines animales. Une aubaine pour l'iconique vache qui rit. Le groupe laitier vient de lancer sa marque végétale, notamment ses tranches. Vendues autour de 3 € les 200 grammes. Plus cher que les tranches de fromage des grandes marques et des marques distributeurs. Une autre référence de cette toute nouvelle gamme est produite dans cette usine en Normandie, avec notamment des graines de tournesol et du jus de citron. L'opérateur qui ici fait les dosages va emmener ce bac dans la mélangeuse. Le tout est donc broyé, chauffé, pour garantir tout l'aspect bactériologique, bien sûr. Un produit tartinable, commercialisé dans une quinzaine de pays, dont la France. Cette pâte, la particularité, c'est qu'elle n'est pas aussi blanche qu'un produit laitier, bien entendu, puisque, à la base, ce sont des produits végétaux, et particulièrement le tournesol, qui va donner cette couleur un petit peu légèrement grisée. Preuve que le groupe mise sur ce marché, toutes ces grandes marques passent au vert. En rayon en France dans quelques jours, sa célèbre pâte à l'ail et fines herbes avec un ingrédient surprenant. On a trouvé cette fibre de bambou qui en plus a un intérêt nutritionnel hein, puisque ça amène des fibres au produit pour pouvoir apporter une texture qui va se rapprocher des qualités en fait, qu'on a dans le boursin aujourd'hui. À quand désormais l'arrivée en France de la version végétale du mythique petit fromage à la coque en cire? C'est pour bientôt, confie le groupe. Il l'a lancé avec succès il y a un an aux États-Unis.